À chaque fois que je viens le stade, c'est juste magnifique pour moi. J'ai écouté le public, c'est incroyable pour moi. Pour moi, c'est 100% raison pour gagner le match et le public. Les dernières 10 minutes, ouais, allons-y, allons-y. Ouais, c'est la différence pour moi. C'est là où je trouve que l'équipe aussi a progressé pour en revenir à ça, c'est que même si on fait le mauvais choix, tout le monde va ensemble dans le même sens. Et je pense ça que peut-être il y a quelques moments, on faisait pas, on regrettait un peu le choix, on dirait, ah, il était peut-être meilleur là-bas. Sauf que là, on arrive à s'adapter, on réagit tous ensemble et on retrouve notre système. Et je pense que c'est ça qui fait la force aussi. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une grosse conquête. Ça, c'est évident. Ils ont une grosse mêlée, ils s'appuient beaucoup dessus, mais. Je pense qu'on a retrouvé une très bonne mêlée aussi, donc là-dessus il y aura match. Et après un buteur extraordinaire avec un jeu au pied très très long, comme YCA ou d'autres, hein, ou Arate qui sont capables de traverser le terrain à tout moment. Ils ont des très très bons joueurs de rugby qui savent mettre du volume, mais aussi resserrer le jeu. Donc non, c'est vraiment. On s'est vraiment préparé en conséquence et on sait à quoi s'en tenir. Vous l'avez remarqué, le week-end dernier, c'est un public extraordinaire qui porte l'équipe, hein, qui porte aussi l'équipe dans les moments difficiles, qui encourage énormément, qui est toujours derrière son équipe. Alors, ils seront que 5 000, mais je pense qu'ils feront du bruit comme 20 000, j'en suis sûr même. Mais c'est aussi à nous, à leur donner des frissons autant qu'ils nous en ont donné le week-end dernier. Donc il faut absolument, ils nous ont portés, on va essayer de les porter ce week-end et de leur faire plaisir en donnant le maximum. Ouais.